Dans cette vidéo, nous allons tester des faux AirPods. Il n'y a même pas, les gars, il n'y a même pas le chargeur avec. Il y a un ressort en bas, les gars. Attendez, regardez-moi ça. En gros, il y a une couille dans le pâté, là. Tes mains, ils sont reconnus comme si c'était des AirPods. Waouh. Salut tout le monde, c'est After, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines d'ici, j'ai déménagé. Et en déménageant, j'ai retrouvé plein de choses que je ne retrouvais plus, tout simplement. Les choses qui sont enfouies dans un carton et que tu sais plus du tout où tu les as mis. En déballant mes cartons, je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo que je n'avais pas faite sur ma chaîne YouTube. Je les avais gardées exprès pour les essayer et pour vous les montrer, mais j'ai complètement zappé. Dans cette vidéo, nous allons tester des faux AirPods. Alors tu te demandes pourquoi la boîte est transparente. C'est normal, il y a un fond vert derrière, t'as pu comprendre. Parce que oui, pour l'instant, je suis en plein aménagement de mon setup, ainsi que de mon décor YouTube. Enfin, décor YouTube, décor Twitch, enfin voilà, tout ça quoi. Et je peux vous dire qu'il va être énorme. Oh ça oui, il va être énorme. Je vais donc, pendant les prochaines vidéos, soit vous mettre un mur blanc, ou soit une petite image là comme ça, un peu floutée, t'as l'impression que c'est chez moi, tu vois. Je te présente ma télévision 4K, ma petite chaise qui n'a pas de marque, ma porte avec mes LED bleues, alors ça c'est le must du must, et puis mes deux guitares qui sont juste ici. Je savais même pas que je jouais de la guitare, frère. Ah oui les gars, je vous ai pas montré mon fameux canapé, regardez-moi ça. Eh, en vrai je dis ça, j'ai rien, mais je voudrais trop la même chambre. Hein. Un jour peut-être, j'aurais peut-être même plus que ça. Ok les gars, là on est en train de s'égarer, ça va pas du tout. On va revenir sur le vif du sujet de la vidéo, c'est-à-dire les faux AirPods. Les amis, aujourd'hui, je vous donne un objectif de like. L'objectif que je vous pose là maintenant, c'est 250 likes en dessous de cette vidéo. Si il y a 250 likes en dessous de cette vidéo, la prochaine fois, je testerai, non, pas des faux AirPods, mais une fausse Apple Watch. Et puis, si t'as d'autres idées que je peux tester des fausses choses de chez Apple ou autre, tu me l'écris dans l'espace commentaire tout de suite. Bon, c'est parti pour le début de la vidéo. Mesdames et messieurs, lançons l'intro. Let's go! Alors vous vous demandez où j'ai acheté ça. Eh ben figurez-vous que je ne les ai pas achetés. Alors non, ils sont pas tombés du ciel. Quoique, je vais donc vous raconter une petite anecdote. Il y a 6 mois d'ici, lorsque j'étais encore avec mon ex, j'ai été à la fameuse foire à Liège. Liège, en gros, c'est une grosse ville un peu comme Bruxelles, tu vois. Moi qui aime bien un petit peu les machines à sous, j'ai donc commencé à mettre 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25, 30, 40. Enfin bref, je me suis complètement ruiné. Et avec ce genre de machine à sous, tu peux gagner des points. Ces points que tu peux échanger automatiquement avec un cadeau. Ils m'ont coûté cher. Ils m'ont coûté très cher. Alors je peux pas dire qu'ils m'ont coûté aussi cher que des AirPods, mais il y a intérêt qu'ils fonctionnent bien. Alors le mec, il est arrivé, m'a donné la boîte comme ça. Vas-y, tiens, cadeau. La boîte, il n'y a même pas de papier collant, il n'y a rien du tout. Donc en fait, en gros, j'aurais pu faire ça. Hop. Hop. Je les prends, je me casse. Hein. Bon, alors sur la boîte, qu'est-ce qu'il est écrit? Parce que oui, il faut bien expliquer un petit peu. Alors, il est marqué charging, ouais, ça on avait compris. Téléphone, musique, micro. Et bah là, je suppose que c'est sans fil. Blanc, noir, rouge. Temps de musique, 5 à 6 heures. Chargement, 1 à 2 heures. Ok, les gens, ça fait 6 mois que j'ai cette boîte-là. Je pense qu'ils sont complètement déchargés. Alors, c'est parti, les amis. Nous allons ouvrir cette boîte magnifique qui est déjà totalement pétée. J'ai vraiment peur de ce qu'il y a là-dedans. Ok, on a ouvert la boîte, les gars. La seule notice, ok, mec, c'est écrit en chinois. Y'a pas ça, frère. Ouais, ouais, vous voyez bien ce que je vois. Ah mais là, clairement, si je dois parler du design, là c'est dégueulasse. Là, on arrive dans un moment où je suis dégoûté d'avoir mis autant d'argent dans ça. Ok, alors vous avez compris que c'est vraiment des faux AirPods, hein. C'est vraiment la caractéristique des faux AirPods. La charge est en USB normal et même pas en USB-C. Oh, c'est dégueulasse. Le bouton power. Ok. Ok, c'est parti les gens, nous allons ouvrir ces AirPods, let's go. Bon, gros. Oh, c'est beau, c'est vert à l'intérieur. Oh, c'est dur à ouvrir. Allez. Oh, c'est quoi ça? Il y a un ressort en bas, les gars. Regardez-moi ça, il y a un ressort. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Il y a un ressort à l'intérieur. C'est même pas aimanté. On va voir ce que ça donne niveau allure, les gars. Bon, niveau allure, ça va. Franchement, ça va, très bien. On sent qu'il y a un petit peu moins de bruit, effectivement. Non, mais c'est pas possible. Hein. J'en étais sûr que c'était une arnaque, j'en étais sûr. Il y a même pas, les gars, il y a même pas le chargeur avec. C'était sûr, c'était sûr. Je vais aller chercher un petit chargeur. En parlant de ça, je reviens. Alors voici un chargeur que j'ai trouvé dans ma boîte. Tu vois la boîte fourre-tout là, que je viens de te dire que j'ai mis 6 mois pour trouver les écouteurs. Alors comment ça se met ça? Oh, c'est dur à mettre hein. J'ai un PNY par ici. Ça se branche comme ça en USB comme je vous ai dit hein, tout à l'heure les gars.
Ok, voici la boîte. Nous allons donc charger ces écouteurs. Maintenant, il me faut une prise électrique, les gars. On est de plus en plus chaque jour et ça me fait vraiment plaisir, les gens qui commencent à me re-suivre. Parce que oui, j'ai eu pas mal de soucis, mais ça, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Hashtag FAQ. Tiens, en parlant de la FAQ, pour ceux qui connaissent pas FAQ, veut dire foire aux questions. Hein. Donc, je t'invite maintenant à me mettre un petit commentaire en me disant une question que tu voudrais me poser. Ça peut être une question sur la vie privée, une question au niveau de YouTube, une question au niveau professionnel, et ça peut être même un défi. Exemple, serais-tu capable de te doucher tout habillé? Comme ça, ça fera une FAQ un peu gage ou vérité. Je réponds à un défi ou je réponds à une question. Et ça va être sympa. Allez, c'est assez chargé, c'est parti, let's go. Alors les gars, voici le voyant bleu lorsqu'il est chargé. Il va donc charger les écouteurs que vous voyez en rouge à l'intérieur. Ouais, bon, c'est vraiment made in Shintok, hein. Je vous le cache pas que je fais cette vidéo et puis je les jette, hein, les faux AirPods. Quoique, ils m'ont quand même coûté pas mal. Ils m'ont coûté cher, ces faux AirPods, quand même. Je sais pas si dans la miniature, je mettrai faux AirPods ou alors, ils m'ont coûté cher, ces enculés. Ah non, mais là, je peux vous le dire très clairement. Tu vois cette oreillette-là? Seulement l'oreillette, hein. Eh ben, je peux te dire qu'elle m'a coûté 35€. Attends. Oui, 35€. Regarde celle-ci. 35€ aussi, ouais. Oui, oui. Même la petite lumière rouge, là, tu vois, elle a dû me coûter 5€ au moins. Donnez-moi en commentaire une estimation du prix que vous croyez que j'ai dépensé lorsque j'ai été au, entre parenthèses, casino. C'est pas, voilà. Ça s'appelle un Luna Park. Et là, le boîtier. Oh, le boîtier. T'entends ça? Ça, c'est 1€. Tout compte fait, je crois que je vais les garder, ces faux AirPods. On va attendre qu'ils chargent un petit peu parce que là, ils sont encore dans le rouge. Et après, les amis, on les testera. Ok, là, ça fait 20 minutes, je pense qu'ils sont un minimum chargés. On peut commencer, mesdames et messieurs, le test de ces fameux faux AirPods. Alors, on les enlève du ressort. Des trucs vraiment trop bizarres, quand même. Des ressorts. Putain, j'arrive pas à enlever l'autre. Allez! Allez! Putain, c'est le combat de titan, le truc, ici. Alan. Maintenant, nous allons tout simplement aller sur mon bon vieux téléphone iPhone 11 Pro Max. Allez dans les réglages. Prenons le Bluetooth. What the fuck? What the fuck? Ça met comme si c'était des AirPods, les gars. Attendez, regardez-moi ça. En gros, il y a une couille dans le pâté, là. Tes mains, ils sont reconnus comme si c'était des AirPods. Attendez, attendez. Les gars, je vous remontre. Ils sont reconnus comme si c'était des AirPods. Ah non, mais je suis choqué, là. Ok, connexion, mec. What the fuck, man? Là, je comprends pas. Là, je comprends absolument pas. Alors, dites-moi dans les commentaires, les gars, si c'est normal que ça ait été reconnu comme des AirPods. Pour moi, c'est reconnu comme des simplement des trucs sans fil. Non, mais attends, je suis choqué. Attends. On va mettre une musique, là, c'est parti. Let's go. On va mettre une musique, n'importe laquelle, celle-là. Le son, il est propre. Wow. Les amis, j'ai fait une découverte incroyable. Le son est vraiment pas dégueu. Je vais tenter de changer de musique, hein. Pour un petit peu plusieurs musiques. Là, j'ai mis la musique Itzal. On va mettre Zero from the original, enfin Imagine Dragon. En vrai, les gars, le son, il est trop propre. Je m'entends même pas, les gars. J'entends même pas parler, frère. Les gars, j'ai fait vraiment une découverte incroyable. Je suis choqué de ces écouteurs. Alors déjà qu'ils sont passés pour des AirPods, gros, sur mon téléphone. Déjà, là, y a pas de logique. Et en plus de tout ça, le son, il est génial. Il est génial, attendez. C'est quoi? Je mets de la musique, je vous laisse, hein. 2 secondes. Les gars, là, je m'entends pas du tout parler. C'est dingue. Waouh. Mais je suis choqué de ces faux AirPods. Je suis fan. Je suis complètement fan. Je sais pas quoi dire, frère. À part le design qui est vraiment dégueulasse, les trucs de ressort trop bizarres là, la boîte qui est dégueulasse, le son qui est très satisfaisant. Bah écoutez, le temps que j'ai des vrais AirPods, je vais garder ça. Moi qui voulais les jeter, bah... Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je suis parti au départ sur une vidéo où j'étais prêt à défoncer ces faux AirPods. Ah oui, les matraquer, vraiment. Parce que pour moi, je suis désolé, mais des faux AirPods dans une fête foraine, c'est dégueulasse. Mesdames et messieurs, cette vidéo est incroyable. Je veux que le nombre de likes explose. N'oublie pas de me mettre un commentaire pour la FAQ. Pour quel objet faux veux-tu tout simplement que je fasse une vidéo avec? Tu l'as promis, je vais essayer de ne pas l'acheter à la fête foraine. Ah oui, dis-moi en commentaire combien d'argent tu crois que j'ai payé ces trucs là. N'oublie pas de partager cette vidéo parce que oui, c'est vraiment satisfaisant de croire que cette vidéo va être de la merde et qu'au final, la qualité est pas dégueu. On aime ce genre de rebondissement. Si t'es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche et en cliquant sur la cloche, tu marques toutes les notifications. Et sur ce, c'était After. Prenez soin de vous en cette période de confinement. À dans 2 jours pour une prochaine vidéo YouTube. Si la vie est un cactus, ciao!